Bonsoir à tous et bienvenue sur votre quotidien. Nous essayons de livrer les actualités des célébrités en basant sur les informations collectées par le site officiel Quoi9. Si Céline Dion, il se voit attaqué par des rumeurs sur sa santé en raison d'une extrême maigreur. Cette fois-ci, il s'agit d'une trahison. Son comportement en dit long. En raison de la trahison qui a été montrée à la chanteuse québécoise, certains magazines y font retour et confirment qu'elle a tourné le dos à ses fans de la première heure et tombé dans l'oubli. Ils se sont sentis un peu trahis. Céline Dion n'a pas envoyé son propre single Flying on My Own aux stations de radio du Québec, préférant le lancer en Spotify, Apple Music, de toutes les plateformes internet. Cependant, les stations de radio sont à la base de son succès et de son soutien depuis son lancement. Face aux critiques de Céline Dion sur les réseaux sociaux, sa maison de disques a tenté d'attendre le feu et d'expliquer ce qui ne pouvait pas être expliqué. C'est un cadeau pour les fans au lieu d'une chanson officielle du prochain album, a déclaré Marianne Drolet-Barré, responsable de la communication chez Sony Music au Québec. Mais bien qu'elle soit active sur les médias sociaux, Céline Dion, qui a l'air si maigre, n'a pas pris la peine de répondre à la controverse. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et de s'abonner à la chaîne.